m'appelle Mara Al-Mukhtar. Je viens de l'Afrique, plus précisément au Niger, d'une famille nomade qui vit à Agadez, au nord du Niger. Les soirs, il y avait des cousins qui passaient avec leur guitare et jouaient à la maison. On est parti en Algérie en 1991, durant la première rébellion au Niger. Après notre retour en 1993-1994 à la maison, donc tout de suite, là, j'ai dû pas. Je cherche un moyen pour avoir une guitare. La seule moyen, c'est aller à Niamey. Voilà. Et je suis parti. En tout cas, ma première guitare, elle m'a été offerte par un monsieur qui c'était un peintre de Niger qui est à Niamey, Saint-Ouarec. Lui, il s'appelle Rissa. Rissa Mohamed, Boris avec ça. Donc c'est lui qui m'a offert la première guitare. Tu regardes l'histoire entre 90 et maintenant. Il y avait deux sortes de rébellions, quelque chose qui n'était pas du tout normal. Et quand tu regardes toute cette période-là, tu vois tous ces pauvres-là qui ne peuvent pas se défendre, ou qui ne peuvent pas se cacher, qui ne peuvent pas s'aller, qui ne peuvent pas bouger non seulement. Malgré tout ça, là, toutes ces choses-là ont passé maintenant. Mais nous, maintenant, on parle de ces choses-là qui sont passées, vraiment, on souhaite que ces actes-là qui ne reviennent plus. Parce que toujours, c'est les pauvres qui souffrent. Mais après, ça part de l'amour, après, ça part de l'amitié, ça part de la vie, de la vie actuelle que nos nomades vivons. Pas du tout sûr qu'il comprend ce qu'on dit, ou c'est pas du tout sûr, mais c'est qui est impressionnant, et puis c'est ça, tu vois, les gens ils sont là quand même, tu vois, ils savent pas ce qu'on dit, mais chaque fois qu'on joue, il vient et il danse, et nous ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de revenir demain. Parce qu'on est là, tu vois, on dit que le monsieur là, il comprend pas ce qu'on dit, mais il va avec nous, il nous encourage, parce que la musique aussi va avec lui. Voilà.